Comme toujours avec Caroline Turbide pour L'Amour Foot, c'est ce soir à 21h. Oui. Caro, il y a eu la première partie de l'interview. Moi, tu sais que je vais regarder l'émission. Mais toi, je sais que t'es fan. Je vais regarder l'émission, je vais mettre les replays et je vais même, genre, citer si je peux avoir les lancements que tu fais. Je vais les lire, je vais tout lire, je veux tout de L'Amour Foot. Ouais, je sais même que t'en as un peu marre de L'Amour et d'entrée, donc t'es trop content qu'il y a. Ouais, non, franchement, je suis hyper content. Je peux dire devant la caméra. J'ai regardé le début de L'Amour et d'entrée. J'avais pas demandé ça. Mais je regardais les premières saisons de L'Amour et d'entrée et là, je me suis un peu lassé. Et aller savoir, 13, 12 ans, voilà, et puis aller savoir qu'il faut traire une vache le matin à 7h pour séduire l'élu de mon cœur. Autant faire un petit carpaccio d'ananas sur un lit de courgette. C'est ça qui est bon. Caroline, revenons à toi, du coup, c'est ton hashtag quiz. Est-ce que tu es prête pour ton hashtag quiz? T'es en train de me cuisiner, si je peux me permettre une petite étale. Parmi justement les cuisiniers de l'amour food, lequel serait le plus séduisant pour toi, selon toi? Hugo, beau gosse un peu? Hugo, beau gosse, ouais. Clairement. En plus, c'est vrai, ce serait vraiment mon type de mec. Si dans une autre vie, je n'étais pas très on salue la personne. On a interviewé il y a pas longtemps, qui est très sympathique au demeurant. Donc tu le gardes, je te préviens. Ah oui, oui. Ah oui, non, mais il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est un peu typé, ouais. L'art de 3 jours, ouais. Voilà, c'est beau gosse, Hugo, de l'émission, mais pas ailleurs, mon mec. Donc je suis fabuleuse et très beau aussi. Ah là, c'est bien. Le plus réservé, c'est qui? Ah bah le plus réservé, c'est Reynald. Reynald, le plus touchant. Le plus touchant, c'est Richard. Pourquoi Richard? Parce que c'est le doyen, il est veuf, il a perdu sa femme. Ouais. Donc déjà, ça m'a vachement touchée. Et puis en même temps, il a cette envie de reconstruire un foyer, voilà, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Donc vraiment. Il t'a touché dans ton petit cœur, ça se sent même quand tu parles. Non, mais on a pleuré. Hein. C'est vrai? Ah bah bien sûr, vous allez voir, on a pleuré plus d'une fois dans ces émissions. Ah, ouais, les tournages. Ah oui, oui. Donc on va sûrement pleurer aussi, on sort les mouchoirs. Ouais, le plus maladroit dans le casting, c'était lequel? Le plus maladroit, Reynald. Il va faire un peu quoi. Ah ouais, c'est Reynald, maladroit parce que. Tellement gêné en fait par cet exercice de séduction qui est quand même pas à la portée de tout le monde, que bah, c'est vrai que du coup il est devenu un petit peu tout rouge, il savait plus trop comment parler aux filles, donc il se prend un peu les pieds dans le tapis. Mais ça reste mignon. Mais ça reste bah, évidemment super touchant. Forcément. Autre question qui n'a rien à voir avec l'amour fou, on te contacte pour Danse avec les Stars saison 8, parce qu'il y a des rumeurs tout le temps sur Caroline Turbide va faire Danse avec les Stars. Est-ce que tu acceptes ou pas? Et je vous donne mon 06. Je parle directement à la prod de Danse. 06, 89. Ah. Ouais, toi, ouais, tu kifferais, je pense. Ouais. Franchement, c'est une des émissions que je préfère regarder. Et je pense qu'à faire, elle est géniale parce qu'on sent. On sent qu'il y a une performance et que tous les candidats apprennent vraiment finalement un truc sur eux à la fin de l'aventure. Je pense qu'ils être complètement transportés par cette émission. Et tu danserais avec qui? Tu danserais avec qui si tu pouvais? Denitsa, si elle veut. J'adore. Ouais, pourquoi? Denitsa, bon. Autre question, le grand vide, c'était la saison dernière. Ouais. Tu t'es fait plein de copines, laquelle tu as vraiment ajouté en ami? Est-ce qu'il y en a une plus que l'autre? Je suis restée très copine avec Absatou. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, à qui on fait un gros bisou et à son petit bébé d'amour. Et Roselyne Bachelot, à qui je parle de temps en temps. J'ai eu un petit texto d'elle là, voilà, la semaine dernière où je la félicitais de toutes ses interventions sur les plateaux politiques en ce moment, puisqu'on est quand même dans le cœur de quelque chose d'assez important qui est en train de se passer. Et Roselyne qui répond toujours avec humour, qui est toujours là. Eh bien, vendu. Roselyne Absatou, l'émission idéale que tu aimerais ajouter à ta Story TV. T'as animé plein d'émissions, t'as CD plutôt garni, plutôt fourni, j'ai même travaillé avec toi, jadis. Si vous pouvez animer une émission idéale, ce serait quoi, Caro? Écoute, moi j'aimerais bien une quotidienne vraiment tournée vers les vrais gens, la vraie vie. Donc c'est un peu entre, c'est au programme pour toute la partie conso, bon plan, on vous donne, voilà, on vous donne toutes les petites astuces du quotidien. Et. Type de la rue, témoignage de ce que les gens vivent. Donc aujourd'hui c'est plus incarné par un Fred Lopez, mais petit mix des deux. Ah pas mal, ouais. Ça le fait, moi je signe, banco, je produis s'il faut. Au sein de TPMP, au sein de TPMP, quel est le chroniqueur le plus sexy? Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, j'ai toujours dit Jean-Michel Maire, je le trouve très très bien. Tu restes sur ta lignée, tu le quittes vraiment. Dans mes idées, je suis très fidèle. J'ai toujours dit Jean-Michel Maire m'a fait penser un peu de loin, mais pas de si loin que ça, à Richard Gere. Je trouve qu'il a la classe, qu'il a la hygiène, que c'est une personne d'un certain âge qui reste quand même très séduisante. Mais ça, c'est un compliment dans ma bouche. Ah oui, d'accord. Parce que j'aime bien les gens. D'accord. C'est vrai que là, j'ai un peu exagéré. Non, en tout cas, il est sexy. Bah, moi, je le trouve hyper sexy. Il est beau, il a un très beau visage, il est marrant. Et pareil, il a pas mal de succès au niveau des meufs. Il y a plein de meufs qui laissent des petits messages sur les réseaux sociaux. À côté duquel, il vaut mieux ne pas être assis.
bah, Jean-Michel évidemment. C'est possible. Jean-Michel, c'est pour toi, c'est cadeau. Pourquoi coup, forcément, bah, il drague. Parce que avec Jean-Mi, on se dit toujours qu'il peut se passer un truc, voyez, donc c'est mieux d'être par exemple sur le côté, voilà, d'en face. En face de loin, quoi. D'accord. Celui aussi avec lequel ou laquelle t'as plus d'affinité dans l'équipe. Bon, il y a beaucoup que t'aimes bien, j'imagine. Est-ce que t'as un coup de cœur, quelqu'un Il y en a beaucoup que j'aime bien, mais j'ai un petit coup de cœur pour cette petite personne qui est Mathieu Delormeau. Mm-hmm. En fait, j'aime bien sa petite baby face, là, son visage. J'aime bien ce mec que j'ai redécouvert, comme beaucoup je pense d'ailleurs, dans l'émission. Mmh. Parce que j'avais pas forcément l'image qu'il a aujourd'hui en tête, quand il était notamment sur Energy 12. Et c'est un super mec. Il est très intelligent, il est très fin, donc on rigole bien avec Mathieu. Eh ben vendu, Mathieu Delormeau. Nabila pourrait revenir dans TPMP l'année prochaine, paraît-il. Quel commentaire ça t'inspire? Est-ce que c'est vrai ou pas d'ailleurs? Mais je crois pas que ce soit vrai, je crois que ça a ouais. en a été question, parce que de toute façon ça fait un petit moment que, voilà, que le bruit circule. Mm-hmm. D'après ce que j'ai compris, elle va se relancer dans une télé-réalité tournée vers sa personne et uniquement sa personne et son amoureux Thomas, qui va à nouveau se retrouver dans une télé-réalité. Donc moi je trouvais que c'était très intéressant, l'espèce d'opération simplification qu'elle avait engagée. Mm-hmm. Donc moi je me suis dit, dans ces cas-là, effectivement, bienvenue et bien chez nous, et c'est super. Mm-hmm. Apparemment, télé-réalité l'a rattrapée. D'accord. Mais elle a dit qu'elle voulait pas faire de télé-réalité. D'accord. Okay. Bon, on regardera quand même pour voir ce que ça donne. C'est son charme. Le mot de la fin pour toi, ton hashtag de fin, Caroline, ce serait quoi ton hashtag de fin? Hashtag amour food. Bah oui. Hashtag ce soir, hashtag 21h, hashtag en prime, hashtag je compte sur vous. Et ouais, hashtag c'est vite, hashtag 21h. Et nous, tu sais, c'est quoi notre hashtag? On est fou de Caroline Turbine. Voilà. Hashtag on est fou de Caroline Turbine. L'amour food, c'est ce soir à 21h sur C8. Merci beaucoup, Caro. À bientôt. On se fait des bisous, on est comme ça, et on chantera du Michel Sardou bientôt. Merci à tous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à hashtag média, et puis à bientôt pour une nouvelle interview. Ciao, ciao. Bye you and take it slowly. Ready up. On fait karaoké en même temps. J'ai un peu l'impression que tu t'es levé. Je te jure. T'as si, j'ai l'impression que ça rappelle mes débuts. Ça rappelle mes débuts. Bonjour, Rachid. Ma première télé avec toi quand même. Chanteur nu en train de cuisiner. C'est ça. Avec des bottes dans la boue. Pendant qu'on leur coupe les cheveux et qu'on leur arrache des dents. C'est un concept. Ça, c'est bien, ça retient un truc. Alors va vendre ça après. C'est ça le chanson qui s'appelle Jusqu'au bout des mains? Femme jusqu'au bout des seins, Michel Sardou, femme des années 80. Excuse-moi. Tu peux pas me faire ça, Michel Sardou. C'est ça. Tu peux pas.